Demain, vous partez, continue son petit périple sur le Chili. Nous allons parler culture, culture générale, un peu culture du Chili. Qu'est-ce que le Chili et les Chiliens? Qu'est-ce que c'est que ça? Ça vient d'où? C'est quoi? Le Chili, alors au nord, nous avons des ethnies originelles qui habitent, c'est des Aymara. Au sud du Chili, c'est les Mapuche. Entre le Chili et l'Argentine, c'est des populations qui habitent des deux côtés. J'aime beaucoup les Mapuche, ils m'attirent beaucoup parce qu'ils ont réussi à bloquer les Espagnols. C'est les seuls dans les Amériques qui ont dit non, non, vous passerez pas. Joder, tío, non, vous passerez pas. Donc ils n'ont pas laissé passer, ils sont très combatifs. Ils n'ont ni maître ni dieu, c'est des animistes, ils croient en tout. Ça me plaît beaucoup ça aussi. Et c'est une société matriarcale, il y en a de femmes qui décident. Et ça j'aime beaucoup, ça me plaît beaucoup. Donc ça c'est une partie du Chili. Après il y a la partie ville, Santiago et toutes les villes du Chili sont très dynamiques. C'est un pays très 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 axé technologie, mais aussi très axé tradition, culture, nature. Tout ce qui est très nature nous plaît énormément. C'est pour ça qu'il y a une grande partie de la Patagonie qui est passée en parc protégé. Parce que ouais, on veut faire gaffe quand même à notre planète, là où on vit, parce que sinon on serait un petit peu pas super net. Bref, ça c'est une partie des Chiliens. Après, on aime beaucoup la fête, on est très extrême. Mais pourquoi, me direz-vous? Bah, c'est simple, on a beaucoup de tremblements de terre hein, chez nous, ça bouge beaucoup, donc du coup, on sait que la vie est courte et on a envie d'en profiter. Il y a le ciel, bien sûr, on a les têtes dans les étoiles constamment, c'est pour ça qu'on a des prix Nobel hein, d'écriture. On aime bien le vin, le pain, et en Amérique latine, il n'y a pas beaucoup d'endroits où c'est du pain. Hein. La plupart du temps, c'est des galettes, machin et tout. Au Chili, c'est le pain, comme en Argentine d'ailleurs. On aime bien le vin, le pain, on aime bien les poètes, l'écriture, les textes, on aime beaucoup, c'est pour ça qu'on est bon au rap, tu vois. Bref, le Chili a quelque chose à vous proposer d'énorme, c'est l'humain. Et ça, vous avez besoin de le découvrir. Et pour ce faire, on vous aide sur les articles qu'on a mis sur ma chaîne étudiante et Demain TV. Allez regarder les textes qu'on a écrits sous nos vidéos. Vous verrez qu'on vous propose des voyages vers des découvertes de ce magnifique pays que vous ne pouvez pas rater. Vous avez compris ?